essayer de faire un premier petit film du camping Domaine du Rêve, Saint-Angèle-de-Montnoir. Je pense que ça a coupé. Fait. Ça va être la deuxième partie. On a ici le lac de la Bagnade avec les fameuses glissades en tube, très populaires pour les enfants. Ici on a la chaise du lifeguard. Et derrière le dépanneur restaurant, les tables de pique-niqueurs avec une multitude d'arbres tout autour. Mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est bouton. Et puis le ciel du domaine du rêve. On parle pas de l'énorme du ciel. Et puis on a quelque chose de nouveau cette année aussi. Qui est une piscine. C'est une toute dernière innovation du camping. On va s'y rendre tranquillement. On a aussi les pédalos de location. On approche tranquillement de la piscine. Quelques petits oiseaux qui chantonnent leur joie d'être au domaine du rêve. Ok, on a les jeux des jets d'eau. Donc, on se dirige vers ça. Comme on peut voir, c'est très tranquille. Il est passé 5 heures d'après-midi. Et puis, c'était une journée, quoique ensoleillée. C'était quand même assez venteux. Donc, on était pas plus que 10 personnes dans le lac de la Bagnade. On a les jets d'eau ici. Ah, et voilà la fameuse piscine que j'avais vue sur le site internet du domaine du rêve. Je n'ai pas à bout de le localiser où est-ce que ça se trouvait exactement. C'est ici. Ça se trouve donc être cette piscine-là en question à droite du lac. Du lac des poissons, si on veut. Tout le monde qui s'amuse. Ok, on se dirige vers le lac des poissons. J'ai déjà campé en face de ce lac-là avec mes parents jusqu'en 1976. Ça a tellement changé depuis. Comparativement à ce que c'était dans les années 70, c'est comme une ville. Les samedis et dimanches, 8 et 9 juillet chez Pharmaprix. Profitez d'aubaines exceptionnelles pendant le super solde d'été. Économisez. Et voici le lac des poissons. Avec quelqu'un qui parle en même temps que moi, dans son intercom. Excusez. Sur notre fameux lac de poissons qui me rappelle énormément de souvenirs. On a eu du fun dans ce lac-là. À pêcher des minés et des barbottes.
Campaign, tout près du bout du lac. Jusqu'en 1976, on a eu les Noëls des campeurs, tellement de souvenirs. Ok. Bon, on se redirige tranquillement. Vers le point d'entrée de la baignade. Donc là, on est à une extrémité du lac. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, ce petit film-là, mais c'est surtout un souvenir personnel. Peut-être que je vais le mettre sur YouTube, aucune idée, mais mon but premier, c'est d'avoir un petit film souvenir de ce beau camping-là. Tu domaines du rêve. Non, mais regardez-moi ce sable-là. On parle pas de n'importe quel sable, c'est le sable du domaine du rêve. C'est un sable qui a de la classe. Un peu plus vite. On filme encore un petit peu. Je ne sais pas si j'ai assez de lumière. Il y a le soleil qui commence à se coucher tranquillement, malgré que j'ai déjà filmé avec une clarté à peu près semblable. On a déjà campé avec mes parents aussi, de l'autre côté. La baignade. Beau petit vent agréable dans mon dos. Tellement beau camping. Wow. On va marcher un petit peu plus vite. Bon, on a ici une autre glissade. Ici, avec le bord du lac de la baignade du domaine du rêve et quelques châteaux que les enfants ont fait. Et on voit Cathy au loin avec ses beaux cheveux longs. Donc, il est présentement 6h moins 5, le 17 juillet 2017. Bonjour, Cathy. Salut, bébé.